Bonjour et bienvenue au studio Enlight. Vous avez flashé le QR code sur le magazine France Photographie, eh bien, qui va vous donner accès à une démonstration, on va dire même un petit tutoriel vidéo sur l'installation d'un plan d'éclairage. Donc vous pourrez assez facilement recomposer ce plan d'éclairage dans les studios de vos photoclubs puisque nous allons utiliser des équipements usuels, ceux qu'on a justement l'habitude de rencontrer dans tous les photoclubs. Ce plan d'éclairage est à la fois sophistiqué, bien entendu, mais simple de réalisation, et il regorge de variantes subtiles que l'on va découvrir ensemble. Depuis 6 ans déjà, vous avez l'habitude de lire les ateliers lumière de France Photographie, donc sur 4 pages. Ce sont bien sûr des textes qui expliquent à chaque fois un nouveau propos sur la lumière. Ces articles sont illustrés de photographies que je réalise justement pour le magazine. Et également, vous avez des illustrations en 3D qui permettent aussi de voir où sont disposés ces accessoires en termes de direction de lumière, mais également en termes de qualité de lumière, c'est-à-dire des lumières directionnelles ou des lumières diffuses, et en termes de réglage, hein, donc qualité, quantité, et réglage, voilà les 3 éléments qui vous permettent de réaliser un très beau plan d'éclairage. Eh bien, on va passer maintenant à l'étape suivante, c'est quel est ce plan d'éclairage que j'appelle le split lighting et qu'est-ce qui se cache derrière cette idée. Alors, le propos d'un plan d'éclairage, eh bien, c'est de choisir un climat lumière adapté donc à sa séance de prise de vue. Et comme je le disais tout à l'heure, quel que soit son thème, nu créatif, portrait, mode, photofiction, eh bien, il y a une réflexion à avoir, bien sûr, sur la réalisation de son plan d'éclairage. Par exemple, on dit souvent au cinéma, sans lumière, il n'y a pas de romance, il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de tendresse. Donc tous ces propos eh bien, sont étudiés à l'avance et on essaye bien sûr de s'y tenir pendant toute la séance de prise de vue, voire même sur plusieurs séances de prise de vue si on souhaite faire une exposition d'une 20aine d'images par exemple. Eh bien, il s'agira qu'à chaque séance, on retrouve un petit peu hein, le même réglage de ces lumières. Alors, je parle de réflexion, donc cette réflexion peut naître tout simplement de l'inspiration d'un photographe qu'on aime beaucoup. Moi ici j'ai choisi le photographe américain Henry Clark des années 50, que j'aime beaucoup par rapport à son cadrage et aussi par rapport au traitement des photos noir et blanc. Alors il y a une hiérarchie très ordonnée dans le plan d'éclairage qui nous vient justement du monde du cinéma et du noir et blanc. Alors, je m'explique. Dans un plan d'éclairage, vous avez parfois plusieurs sources de lumière et on s'interroge, lorsqu'on n'a jamais mis les pieds dans un studio, de l'intérêt d'utiliser plusieurs sources de lumière. Pourquoi pas 2, pourquoi pas 4 et pourquoi pas 6? Eh bien, je parle de cette hiérarchie très ordonnée puisque dans un plan d'éclairage, on va commencer par installer une première source qu'on va appeler la source principale. On a un seul soleil. Eh bien, on a généralement une seule source qui va dominer, qui va créer justement le climat lumière. Cette source, alors je parle bien sûr d'une construction d'un plan d'éclairage très scolaire, très théorique, eh bien, cette source de lumière qu'on appelle l'éclairage principal va situer le modèle dans l'espace et créer des contrastes tout à fait intéressants qu'il faudra contrôler, ces contrastes. Donc, on va contrôler ces contrastes par l'ajout d'une seconde source supplémentaire qui sera peut-être moins directionnelle mais plus diffuse et bien sûr d'une dimension également plus large hein, puisque plus la source d'éclairage est grande, eh bien, plus la lumière sera douce. Et au contraire, plus on focalise le plan d'éclairage, donc la source principale, plus l'éclairage est dur et donc plus il est contrasté, plus les contours sont nets au niveau des ombres, et également plus les ombres sont denses. Donc il va falloir composer entre une source directionnelle de petite dimension et une très grande source, généralement une boîte à lumière. Voilà ce qu'on peut retrouver bien sûr comme technique lorsqu'on travaille en extérieur. Nous avons un soleil, donc petite source directionnelle, et on installe un réflecteur à l'opposé pour adoucir les ombres. Donc il y a une hiérarchie ordonnée, je le disais, puisqu'on a cette source principale et cette source secondaire.
Ensuite, on va vouloir créer des effets d'enrichissement. Et je disais à l'instant qu'ils nous viennent du monde du cinéma, donc du noir et blanc, puisque à l'époque, le teint, lorsqu'on filme en noir et blanc, eh bien, le teint de peau du visage pouvait se confondre sur l'arrière-blanc, donc tout était gris, tout était aplati au niveau de l'image, donc il fallait rehausser, réveiller un petit peu ces plans de lumière. D'ailleurs, vous pourrez le voir sur l'image suivante, hein, qui est un film de Otto Preminger, Mark Dixon Détective, et on voit qu'à cette époque, eh bien, on était toujours dans un créneau lumière directionnel, parfois on aperçoit même plusieurs ombres en arrière-plan, et toujours ces éclairages d'enrichissement qui arrivent par l'arrière pour décoller un petit peu le personnage de son décor. Donc voilà, une troisième source qui vient s'installer dans un plan d'éclairage, éclairage principal, éclairage de diminution de contraste, qu'on appelle éclairage d'ambiance, et un ou plusieurs éclairages d'enrichissement sur l'arrière-plan. Ensuite, dans cette hiérarchie arrivent maintenant les éclairages dont le rôle et la mission est de donner un climat lumière sur l'arrière-plan, et généralement on installe plusieurs petites sources à des endroits qui permettront d'avoir un plan de contraste agréable sur l'ensemble de l'image. Et enfin, il existe également d'autres missions pour d'autres sources qui sont à l'appréciation du photographe, c'est-à-dire des sources de contre-jour. Bon, ce n'est pas toujours le propos, mais parfois on va utiliser judicieusement dans un plan d'éclairage quelques contre-jours. Donc voilà un petit peu les éléments hein, qui vont nous permettre de composer un plan d'éclairage. Alors, dans tout ça, il y a le split lighting dont je vous ai parlé. Je me suis rendu compte en fait que dans un plan d'éclairage, on va dire traditionnel, sophistiqué, le modèle n'avait pas toujours la possibilité d'évoluer librement pendant la séance photo, et on était toujours dans 10 directions de son visage ou de son corps, très, on va dire, formaté, et ce qui laissait assez peu de liberté à la fois pour le photographe et à la fois pour le modèle. Donc, l'idée du split lighting, ça veut dire tout simplement partager en fait l'éclairage principal en deux parties. On va le voir tout à l'heure lorsqu'on va installer le plan de lumière. Alors, on a parlé de réflexion du plan d'éclairage pour la recherche d'un climat, mais il y a aussi maintenant l'inventaire. Ça veut dire être capable, lorsqu'on s'inspire ici d'un photographe, d'un auteur, d'images de référence sur des catalogues ou sur Internet, eh bien, il s'agit de comprendre en fait comment a été construite cette lumière pour cette image qui nous tient à cœur. On dit, tiens, c'est quelque chose que j'ai envie de refaire, ce propos m'intéresse. Eh bien, il s'agira de faire l'inventaire de ce matériel. Alors, je vais vous y aider tout à l'heure lorsqu'on va installer le plan d'éclairage. Ça, c'est la deuxième partie. La réflexion, l'inventaire. Ensuite, on passe à la troisième étape, c'est l'installation du plan d'éclairage. Donc on voit que jusque-là, tout ça prend un petit peu de temps quand même. Et lorsqu'on a installé ce plan d'éclairage, bien sûr, il faut faire des tests. Et ensuite, on ajuste le plan d'éclairage. Donc on voit ici qu'il y a cinq étapes extrêmement importantes auxquelles on doit apporter le plus grand soin, de la réflexion à l'inventaire du matériel qu'il sera nécessaire d'avoir. Et quand je dis matériel, c'est non seulement les sources de lumière, mais parfois des petits accessoires comme des calques, des grilles, des panneaux coupe-flux, des choses comme ça. Ensuite, bien sûr, on doit installer tout ça dans un ordre précis. Donc il y a le meilleur emplacement par rapport à un axe du photographe, par rapport à la hauteur, bien sûr, de cette lumière, par rapport à la qualité aussi du rendu final. Et enfin, les tests et l'ajustement. Donc tout ça prend environ, on va dire, une bonne heure, voire deux heures selon le projet que vous allez réaliser. Voilà. Passons maintenant au studio. Alors voici la disposition du plan d'éclairage split lighting. Donc on commence par une première source. Alors, cette première source est une boîte à lumière, mais on peut bien sûr utiliser d'autres types de sources, comme par exemple un bol réflecteur qui donnera une lumière plus contrastée. Tout à l'heure, je vous parlais des variantes, donc c'est une possibilité.
Le splitlighting, c'est une disposition et un réglage des sources très particulier, mais on peut choisir bien entendu d'autres types de sources. Alors pour avoir une lumière un petit peu plus douce, j'ai choisi moi une boîte à lumière qu'on appelle un strip light, puisqu'en fait c'est une boîte très étroite, un éclairage tubulaire, qui va nous donner une lumière assez douce, mais une lumière latérale, donc qui va sculpter, on va dire, le modèle, nous donner une lumière un petit peu plus modelée que si on avait un éclairage de face. Donc c'est le choix d'installer cette source principale, ici plutôt perpendiculaire au modèle par rapport à l'axe du photographe. Alors, il est clair que si cette source est uniquement latérale, on va créer ici une zone d'ombre relativement importante sur le visage du modèle. Donc, on installera ici un panneau réflecteur de dimension correcte, réflecteur blanc ou tout simplement un panneau de polystyrène. Donc, voilà la disposition du plan d'éclairage ici avec le panneau réflecteur. Alors, ensuite, l'éclairage d'enrichissement, eh bien, c'est la lumière qui se trouve ici en contre à l'arrière, vers à peu près 45 degrés par rapport à l'axe du modèle, qui va donc donner un décroché un petit peu le modèle de l'arrière-plan. Alors, ce qui va permettre bien sûr au modèle de pouvoir évoluer, puisque je vais régler la puissance de ces deux sources sur la même valeur. Elle va pouvoir évoluer parce que si elle est plutôt dans cet axe-là, plus ou moins trois quarts face à la lumière, cette source d'enrichissement est vraiment ici en contre. Mais ensuite, si le modèle veut évoluer de l'autre côté, eh bien, cette source devient la lumière principale et cette source, qui était la lumière principale, est donc la source d'enrichissement. C'est pour ça qu'on a appelé ça le split lighting, c'est-à-dire qu'en fait, on partage les rôles et les missions des accessoires, chacun pouvant prendre le rôle l'un par rapport à l'autre. Ensuite, à l'appréciation du photographe, on peut rajouter un autre éclairage d'enrichissement en douche, ici, avec un bol réflecteur. Une grille d'abeille, par exemple, permettra aussi de bien focaliser cet éclairage sur la coiffure et sur les épaules. Et bien sûr, on réglera la puissance de cette source relativement proche du réglage de ces deux sources-là. Tout dépend, bien sûr, si on travaille avec un modèle de type brésilien ou suédois. Donc, ça veut dire qu'on aura des coefficients de réflexion qui seront différents. Donc, voilà ici nos deux sources de lumière principales. Enrichissement, une deuxième source d'enrichissement ici pour les épaules et la coiffure. Ici, un éclairage passif, c'est-à-dire un réflecteur qui va déboucher l'autre partie du modèle. Et enfin, ce qu'on appelle le background light, c'est-à-dire l'éclairage ici d'arrière-plan, eh bien, pourra être assuré tout simplement par un bol réflecteur. On peut aussi jouer sur des jeux d'ombre en rajoutant quelques accessoires devant qui vont donner quelques accidents de lumière ici sur l'arrière-plan. On peut aussi disposer des persiennes, des vieux volets, enfin tout ce qui peut traîner, on peut dire, dans un studio ou dans son garage pour justement rajouter un petit effet d'ombre voilà, sur l'arrière-plan. Alors, donc, quant au réglage, eh bien, généralement, on essaie d'être sur des valeurs de 8 ou 11, donc on va régler ici l'éclairage en fonction de cette source qui nous donne une première mesure. Là, on voit qu'on est à 11,5. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est régler voilà, cette source-là voilà, sur la même valeur en ajustant ici le potentiomètre de cette lampe, de cette source. Voilà, et on a donc ici les deux mêmes valeurs. Et là, c'est en fonction, si on a une femme avec une blonde platine, à ce moment-là, on va bien sûr diminuer cette puissance d'éclairage. Alors, une dernière petite variante, tout à fait intéressante, comme vous l'avez vu sur les images de référence du stage, moi, j'ai utilisé une grille, voilà, comme ceci, que je déforme un petit peu en fonction du résultat que j'obtiens. Je dispose cette grille un petit peu comme ça sur la tranche face à mon objectif. Et je rééclaire avec une petite source de lumière cette fois-ci. Donc j'utilise un snoot, peu à peu face à moi, on va dire à peu près vers 2 mètres de distance, donc qui va venir créer ce qu'on appelle un peu de flare, qui va venir également rebondir ici sur cette grille métallique
et créer cet univers qu'on vient de voir à l'instant, un peu psychédélique. On voit des taches de lumière, on voit une espèce de sphère, de boule, qui vont donc donner un style particulier à l'image. Toutes ces techniques nous viennent d'expériences du passé, principalement de Man Ray, qui a voulu tout essayer pour voir les résultats qu'il pouvait obtenir avec ses négatifs. Donc voilà une petite variante intéressante qui va aussi adoucir l'image. Hein, si on met quelque chose devant l'objectif, eh bien, ça aura pour effet de diminuer notablement les contrastes et il sera peut-être même nécessaire de les réajuster après en post-production. Donc on va voir justement la partie post-production et commentaires sur les images que nous avons réalisées pendant ce stage à basse-cour. Eh bien, je souhaite que cet atelier vous ait apporté quelques connaissances supplémentaires dans la manière d'aborder une séance de prise de vue en studio. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, car c'est une première avec le magazine France Photographie que de proposer un complément des 4 pages des ateliers Lumière du magazine, une vidéo. Vous pouvez me faire toutes vos remarques par mail à contact@clark.fr. Également me suggérer des thèmes qui vous tiennent à cœur, m'adresser quelques images de référence où vous souhaiteriez obtenir, avec lesquelles vous souhaiteriez obtenir des informations sur les plans d'éclairage. La prochaine thématique qui sera abordée donc dans cette vidéo sera le paramount lighting, à moins que vous ayez d'autres idées à me soumettre pour qu'on puisse continuer, eh bien, de progresser ensemble. À très bientôt.